vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt avant l'achat du cochon d'Inde, enfin, c'est mieux. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être où placer la cage du cochon d'Inde en fait. Parce que moi, je sais que pour Fripouille, j'ai un peu tout changé de place pour que la cage soit ici dans le salon. Et que ouais, j'ai changé le canapé de place, enfin je l'ai juste bougé, mais voilà. J'ai quand même bougé beaucoup de choses pour mettre sa cage ici. Donc je vais vous dire les meilleurs, enfin non justement, les endroits à éviter en fait de mettre la cage en fait. Donc premièrement, éviter de mettre dans une pièce trop stressante en fait, on va dire. Du coup, bah, éviter les halls d'entrée et les couloirs, parce que déjà les halls d'entrée c'est pas très bon, parce que quand la porte ouvre il y a de l'air qui sort et pour lui c'est pas très bon, et puis même c'est brouillon, des fois ça résonne et puis voilà. Les couloirs aussi ça résonne, voilà, c'est pareil, et le cochon peut stresser. Deuxièmement, dans une pièce où vous êtes souvent, alors on m'avait demandé, est-ce que je peux mettre dans les commentaires, on m'avait demandé, j'hésite entre la salle à manger et la chambre. Alors, moi, je vous réponds directement. Moi, là, elle est dans le salon, enfin, dans la salle à manger. Enfin, comme vous voulez, quoi. Je sais pas comment on dit. Ouais. Voilà, salon ou salle à manger, je sais pas trop. Et donc, ouais, en fait, avant, je l'avais mis dans ma chambre. Et déjà, je me suis rendu compte que c'était pas très hygiénique non plus pour moi. Et pour... Bah, pas pour lui, parce que lui, ça change pas grand-chose. Mais surtout pour nous, c'est pas trop hygiénique. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'aurais préféré, enfin, je vous dirais plus de mettre dans le salon que la salle à manger. Après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, c'est votre cochon d'Inde, c'est votre cage, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Donc cochon d'Inde isolé en fait dans une chambre où personne ne vient le voir dépérir rapidement. Donc ouais, ce que j'ai dit, si vous le mettez aussi dans votre chambre, le cochon d'Inde... comment dire, cochon va dépérir justement parce que vous n'êtes pas non plus 24 heures sur 24 dans votre chambre. Donc ça peut être compliqué pour lui. Et puis voilà, moi je me rappelle quand j'avais mon cochon là-haut, des fois j'étais toujours pas très motivée de monter les escaliers, d'aller le voir pour après redescendre. Et là dans le salon, c'est vrai que je le vois beaucoup plus que s'il était dans ma chambre. Parce que après dans la chambre, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Voilà, c'est pas, je pense que c'est pas agréable pour vous ni pour lui. Donc voilà, et en fait du coup il va passer son temps à dormir et donc voilà. En fait, si vous fumez pas et vous n'écoutez pas de la musique trop forte, en fait l'idéal est de placer la cage de votre cochon d'Inde dans le salon pour qu'il puisse en fait participer à votre vie de tous les jours. Parce que voilà, comme ça il y a de l'activité et il se sent pas seul. Et donc, il ne dépérit pas, tout simplement. Donc, voilà. À l'abri du soleil, de l'humidité, des courants d'air et de la fumée. Donc, pour ça, bah, évitez le garage, la cave. Bon, c'est un peu normal, on ne va pas mettre le cochon dans le garage ni dans la cave. Ou dans le grenier, tant qu'on y est. Enfin, après, voilà. La cuisine et le salon, si vous fumez. Parce que, voilà. Si vous fumez, les fumeurs me comprendront. Ensuite, à l'abri du soleil, bah, je pense que c'est normal, je pense que tout le monde comprend, parce que voilà, le cochon d'Inde, l'été, vous rendez pas compte, mais le cochon d'Inde a une fourrure, et est donc très très chaud. De l'humidité, ça s'explique pas, on va dire, de l'humidité, et des courants d'air, parce que... Vraiment, les courants d'air. Par exemple, vous mettez après à côté d'une fenêtre, par exemple. Et si vous mettez à côté d'une fenêtre, et après, si vous ouvrez par exemple l'été, déjà l'été c'est pas bien parce que là, le soleil. Et même si vous vous dites que, par exemple, vous mettez la cage près d'une fenêtre, mais la fenêtre donne le soleil que le matin ou que le soir, très tôt ou très tard. Même ce n'est pas bien de placer la cage ici parce que le soleil pour vous. Peut-être ne donne pas beaucoup, mais pour le cochon d'Inde, si, parce que le cochon d'Inde déteste la chaleur et déteste l'eau aussi. Donc voilà. Et revenons au courant d'air, parce que bah,
voilà, il peut être enrhumé et puis il peut mourir directement, quoi. Et c'est très normal. C'est même pour nous, c'est pas très bon déjà les courants d'air. Donc pour lui, voilà. Donc voilà. Et le salon, c'est vous fumiez parce que la fumée est toxique pour les cochonnins. Même pour nous, c'est toxique. Et n'installez pas la cage à un endroit recevant directement la lumière du soleil. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et évitez les gros écarts de température. Si vous mettez près d'une fenêtre, il fait chaud. Et si vous faites un courant d'air, là, c'est la totale. Et même, ne mettez pas la cage près d'un radiateur, s'il vous plaît. C'est pareil, le radiateur. À hauteur, si possible, sur un meuble. Donc moi, je sais que là, elle est sur un meuble. Je peux vous montrer, si vous voulez. Comme ceci, voilà. C'est plutôt en hauteur, on va dire. Et donc voilà, en hauteur, c'est bien parce que c'est pas très agréable pour les cochonnins d'être par terre et de voir vos pieds. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est, pour lui, c'est pas super. Puis même sur le sol, il y a beaucoup d'air froid au sol. Et puis voilà, il pourra pas voir ce qui se passe autour de lui. Et voilà. Et puis aussi, sur le sol, c'est pas bien de mettre sur le sol aussi parce que. Donc, déjà, parce que voilà, il y a des airs froids qui passent souvent par le sol. Parce que là, en fait, la chaleur monte vers le haut, donc quand on est en bas, eh ben, il fait froid, c'est normal. Donc voilà, et si vous êtes comme moi, si vous avez un carrelage, comment dire, un carrelage qui... un chauffage par le sol, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous, donc vous avez l'hiver, si vous mettez le chauffage par le sol, parce que moi je sais que j'ai pas de chauffage. Moi le chauffage, c'est que... Oh, j'ai du mal à dire chauffage. C'est par le sol, c'est par le carrelage, donc le carrelage qui est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est chauffage par le sol, pardon. J'ai du mal à dire. Hein. Il est quelle heure là? Ah ouais, il est 19h, donc je suis fatiguée aussi un peu là. et donc pas trop haut non plus, parce qu'il ne pourra pas observer le monde qui l'entoure, on va dire. Et donc voilà. Et aussi... offrez-lui aussi dans ce cas-là, si par exemple la cage est trop haut, un abri ou une plateforme sur lequel il peut se percher, on va dire, parce que voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était assez court, je sais pas. Ah non, ça va, 8h33. Non, ça va. Donc voilà, franchement, tenez compte de mes conseils, en quelque sorte, on va dire. Parce que voilà, c'est vraiment pas bon pour le cochonnin. Tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment pas bon pour lui. Que ce soit près d'une fenêtre, vraiment, c'est la totale. Voilà, franchement, moi, je sais que j'ai galéré, en fait, en quelque sorte, pour trouver la place de la cage de mon cochonnin. Donc voilà, au début je l'avais mis dans ma chambre, après je me suis rendu compte que en fin de semaine surtout ça commençait à sentir un peu dans ma chambre. Je trouve ça pas très agréable quand vous allez dormir et ça sent un peu l'écurie, ouais, ça sent l'écurie en fait, et je trouve ça pas agréable. Même en plus j'ouvrais tous les jours la fenêtre, mais l'odeur résistait, et donc voilà, et je trouvais pas ça agréable. Après j'ai changé, je l'ai mis dans la salle de jeu. Et non, parce qu'en fait, il n'y avait personne qui passait dans la salle de jeu. Personne. Et donc, si j'ai dit, bah, non, ça sert à rien parce qu'il va dépérir et qu'après, bah. Après, voilà, j'ai pas envie qu'il reste tout seul et tout dans son coin, qu'il dorme tout le temps parce qu'il n'y a personne qui vient le voir. Et donc, depuis ce jour, c'était le troisième jour, non, le quatrième jour qu'on l'a placé en bas dans le salon, ici même. Donc voilà, et on n'a jamais changé de place parce qu'on trouve que c'est vraiment très bien cette place là. Elle est en hauteur, pas près d'une fenêtre, pas près des courants d'air, enfin pas près de porte et de fenêtre, pas près de chauffage. Donc voilà, après quand Nesquik est arrivé, c'était un vrai bazar, on va dire, en quelque sorte aussi, parce que on l'avait mis par terre, mais voilà. Donc je vais arrêter de parler parce que là ça va être 10 minutes 24, donc je vais arrêter de parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai que Facebook en fait, pour l'instant j'ai que Facebook, juste Twitter j'aurai jamais je pense,
On m'a demandé ça, on m'a demandé est-ce que j'ai Twitter et tout. Je n'ai pas Twitter, non. Et non, bah, je pense que ça va être avant longtemps que je vais pas m'inscrire sur Twitter. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!